Parce que lenteur qu'on a constaté dans l'administration, problème qu'on a dans plusieurs directions générales, nous, qui en grève, qui en difficulté, eh bien, c'est pas nous bloquer en particulier. Est-ce que ça, tu vas dire, là, professeur Maniga, et que manque d'efficacité qui gagne dans l'administration publique, là, c'est PTA qui empêche le gouvernement d'agir, je regarde d'agir. Je dis clairement, et si c'est ça, si c'est là, nous arrivons, le Premier ministre a constaté ça, et c'est pour ça qu'on commence un dialogue avec différents secteurs, parce que le Premier ministre là, sous base d'un accord politique, et à ce moment-là, si 18 yo, que les secteurs d'accord pour 18 ministères à la colonne, conseil présidentiel, le Premier ministre a tiré les conclusions, les mêmes libres viennent vous dire, nous, personnellement, ça le pensait de ça. Nous juste fait constat. Je dis, ça nous capable de dire, c'est que le Premier ministre, il voulait balayer l'étiquette de transigeance. 10 ou 14, pas qu'à intransigeance. Il voulait balayer l'étiquette, la gourmet, pour que l'IKEM ait tout pouvoir. 10 directeurs généraux qui dans le ministère, ça, c'est secteur choisi, ça fait déjà. Il voulait balayer l'étiquette de transigeance. Parce que le ministre intérieur n'a pas marché. Qui joue le ministre intérieur marché plus bien, s'il n'a pas lui-même des possibilités de remplacer mairie côté mairie au pays, changer magistrat qui déjà quitté le pays, parce que tout ça, c'est co-signature à la fois conseil présidentiel là, avec le premier ministre. En plus, on a dit gouvernement bloqué, même ministre, même magistrat n'a pas travaillé, il y a côté magistrat n'a pas travaillé, il y a côté même pas là. Mais le premier ministre n'a pas qu'à changer au cartel sans signature CPA. Le premier ministre a gagné un mois, t'as le fond. Proposition de méthodologie sous qui j'en aurais pu changer, mérite changer, renforcer ça que mérite changer, n'attendre que le suivi que fait pour ça avec urgence. Même bagarre pour direction générale, le Premier ministre a écrit 2 ou 3 courriers à conseiller, dit en plus de toute direction générale qui déjà changé dans le ministère, on a le plus vite sous direction générale ministère autonome. Le Premier ministre a même fait proposition, c'est en attendre pour que nous changions rapidement direction générale, parce que lenteur qu'on a constaté dans l'administration, problème qu'on a dans plusieurs directions générales, nous, qui en grève, qui en difficulté, eh bien, c'est pas nous bloquer en particulier. Est-ce que ça, tu vas dire, là, professeur Maniga, et que manque d'efficacité qui gagne dans l'administration publique, là, c'est PTA qui empêche le gouvernement d'agir, je regarde d'agir. Ça m'a dit clairement, manque d'efficacité et lourdeur là, et difficulté pour atterrir, gagner pour être tout, avec le fait que le ministre intérieur n'est pas capable de faire modification dans la collectivité, parce que côté un premier ministre, à travers le ministre intérieur, côté population, c'est à travers les élus locaux ou bien autorité locale. Son commune pas un magistrat, son commune pas un quantité de membres pour le gain, son commune pas un magistrat qui est capable de signer sur la commune, il y en a battu avec l'autre, il va venir signer. Ou mettre vos copes pour eux, même garder qu'ils s'il. Eh bien, c'est pour ça, ou qu'on peut paralyser le ministère intérieur, parce qu'on peut changer, on peut changer les collectivités. Il y a une proposition que faites déjà. Oui, il me dit ça. Si il y a certaines directions générales, côté gain grève, côté gain difficulté, côté mouille à plein, côté pas un service, nous voulons moderniser, renforcer, il y a difficulté, lenteur pour que nous mettions en place direction générale, ça y est, justement, qu'on pourrait en partie. Ça m'a dit, hein, on ne peut pas jeter blâme sur personne, l'autre monde. Vrai sujet qui intéresse les populations, c'est sécurité, c'est bas résultat. Oui, le ministre a allé plus vite. Si le ministre intérieur a été plus d'outils dans le même, qui c'est collectivité territoriale, si il y a une direction générale qui a déjà gagné l'autre leadership, nous avons le plus vite. Ça va retirer. Invitez le ministre, il y a pas de problèmes, difficultés par eux. Invitez le ministre des Affaires sociales, la parole sur le chantier social là. Invitez le ministre de l'Éducation, là, tout ça qu'a fait non, rentrer l'école là, aller avec le gouvernement, ou avoir une autre impression de qui ça qu'a fait et peut-être qui difficulté réelle qu'on gagne. C'est pas ça que le gouvernement fait. C'est pas des soucis dans la baguette. On va aborder un autre point et nous regarder des relations avec la République dominicaine et me songer gagner résolution tu as pas le point pour que le gouvernement d'une seule voix comprise de position. Bon pose avant nous je vais dans chapitre ça. Bon pose une question et rhétorique. Est-ce que le Premier ministre est en rébellion à CPTA? Hein, comment? Est-ce que le Premier ministre est en rébellion à CPTA? Ça fait 3e fois m'a dit ça. On ne peut pas dramatiser le sujet ça parce que c'est pas le cas. Le ministre n'est pas interdit d'accès à la villa d'accueil où siège le conseil présidentiel de transition. Il fait réunion hebdomadaire chaque vendredi dernier, il était là. Une semaine, comme c'est congé, malgré congé, presque certains que le moyen plus chita attendait encore. Président Voltaire en mission à l'étranger, le tournait. Le ministre
après contre elle pas qu'à une rébellion là que premier ministre pas bon bon ma pas un mot fort pas bon le au conseil présidentiel ma même c'est invité non convoqué premier ministre il pas automatiquement présent pendant ville d'accueil que c'est la caillou que c'est et dans n'importe quel autre bureau premier ministre toujours disponible et semaine ça prend information il rencontrer 3-4 conseillers présidentiels que ce soit non mais si c'est pendant ville d'accueil c'est côté où invité participer faut ça très clair. Et on regarde qu'on y a là point qui est pour avec la République dominicaine. C'était un point entre guillemets qui était un problème avec le gouvernement. C'est ça, nous comprenons ce moment de la durée. Puisque le ministre Affaires étrangères, là, il y a des sorties qu'il a fait à l'étranger, qu'il a des déclarations qu'il a fait avec des bombes CPT à nous parler, il dit pas au courant de une déclaration ça, et que le ministre Affaires étrangères a fait. Et si on a bagaille critiqué Mme Dominique Comcondadou, il mettait le service total du premier ministre, alors que le membre CPT a dit. Diplomatie, c'est affaire par eux. Donc, le ministre a supposé affaire par eux. Peut-être que déjà, dans le choix, mon y a mis dans l'affaire étrangère, c'est peut-être un problème dans le niveau ça, si c'est pas CPTA qui te fait choix. Et sous cause de la République dominicaine, justement, on connaît, t'es une résolution, le gouvernement t'es préparé, mettez d'accord, voté, pour que t'as soumettre lui, bail à conseil présidentiel. Là, en façon, pour République d'Haïti, t'es gagné un seul discours, par rapport à ça, déportation massive, République dominicaine a fait. Et il y a des éléments de langage, il y a des points forts qui étaient dans la résolution ça, il y a des condamnations claires qui ont été faites. Par exemple, tu es qualifié de raciste, de discriminatoire, de xénophobe, et ça, République dominicaine a fait. Et, bon, je vais parler de résolution ça encore. Le bloquer dans le CPTA ou bien c'est lui-même qui va te soumettre le CPTA? Alors, justement, qui est son point, et je porte parole. Ministre Affaires étrangères là, je pense que le cabinet très outillé pour le capable de répondre point ça, lui-même tout lui répond point en pile point, mais comme chef cabinet pour le ministre, on est capable de dire non pas que ministre Dominique Dupuis n'a jamais évité aucune invitation formelle que vous avez fait. Moi-même, je suis au courant que même vous dimanche, sous invitation, la veille, de n'importe qui président le déplacer là, la caille. Ça, c'est pour la vérité, pour l'histoire. Pour être capable de faire dossier avancer. Il n'a pas dit, me dit ça, mais je prends responsabilité de dire ça. Même dimanche, ministre Dominique Dupuis, disponible pour la caille CP, pour la justement construire éléments de langage. Ceci donc, dit. Contrairement à avec ça, membre CP a dit, moi, et que sont-ils fait, il n'y a pas au courant de voyage, il n'y a pas au courant de déclaration d'affaires. Et c'est pas ta vrai. Mais bah où on fait? Oui, mais on a pas où on fait. On est capable de confirmer ça auprès de la ministre. Okay. Moi-même, moi capable de dire parce que moi suis non seulement ministre, mais ministère là, en ma qualité de chef de cabinet, et moi connais que gagne en pile, j'ai fort cap fait pour adresser crise avec République Dominicaine là. Ceci dit, j'en tiens, conseil présidentiel là, de passe, on a qu'à dire compétence que la loi Bali, constitution Bali, c'est clair que il y a leadership sous orientation politique sous République Dominicaine, non? Et à ma connaissance, moi, pas quoi que le ministre des Affaires étrangères a violé ou en contradiction avec aucun document écrit, avec aucune orientation formelle que conseille la Tabali, parce que moi-même, moi, j'aime recevoir une copie de ni orientation formelle, ni document formel de politique vis-à-vis de la République dominicaine que le Conseil présidentiel a avoué par le gouvernement, a avoué par le ministre et que le ministre en contradiction avec. Et c'est vrai, le Conseil gouvernement, en sa qualité avec toute compétence que le gagne comme Conseil gouvernement, il part même voulu que ce ministre des Affaires étrangères qui était porté dossier ça pour col, le ministre a souhaité que la résolution que nous avons prise pour nous proposer le Conseil présidentiel là, justement pour que lui-même capable de nourrir réflexion par comme c'est lui-même qui supposait dire publiquement et annoncer publiquement orientation formelle sur le dossier ça pour respecter justement que toute responsabilité que gagne ça la loi ba au prend nous fait un argumentaire nous discuter de lui en conseil de gouvernement il lui-même d'ailleurs nous rendre public en partie qui allait joindre formellement conseil présidentiel là même certain au prochain conseil des ministres Haïti l'état haïtien conseil présidentiel là il justement gain responsabilité qui gain leadership
dans ça gain quoi avec déclaration publique sous orientation Haïti versus République Dominicaine par annoncer pays là publiquement qui orientation ça gouvernement fait partie par là ministre Dominique Dupuy t'est orienté gouvernement pour nous-mêmes pour nous te préparer bouillon ça les formellement transféré et très prochainement moi me fais confiance très prochainement conseil des ministres avec président Voltaire pour publiquement et dix côtés mis sous dossier ça et plusieurs interventions déjà qui commençaient à faire commençaient by sans ça dans l'orientation de l'année son question de pourquoi ce dossier ça n'est pas trop en priorité dans le gouvernement genre déportation massive et il a fait là qui violait toutes les conventions internationales République dominicaine a fait ce compatriote pourquoi impression de niveau ça ça en tout cas sorti dans la priorité gouvernement monsieur Maniga on est dans le secret des dieux dis-nous pas vrai. Non, il n'est pas vrai parce que la semaine dernière, il y a deux ministres qui étaient pour l'hélicoptère gouvernement qui étaient atterri Belader. Aujourd'hui, il y a deux vols hélicoptères qui planifiés pour transporter justement tout ça qui est pour avec tente, couverture, équipement que l'Office national migration besoin, équipement que direction immigration, immigration besoin, équipement que direction générale protection civile besoin. Hélicoptère, c'est presque chaque jour à faire balai pour transporter ça, pour le transporter aux frontières pour un lieu disponible. Naturellement, le ministère de l'Intérieur a mobilisé à travers la direction protection civile et mobilisé justement et aux collectivités locales qui sont capables de présents. Souvent, on va aller Belader, on va aller Wanamet, on va pouvoir une présence visible pour NM qui a maillot, casquette, t-shirt, volontaire qui est présent. Gouvernement sous et FAES présent avec équipement, restaurant communautaire à déployer sous place là. Oui, présence de démarrage était peut-être lent, mais les commencer effectif. Naturellement, il y a quelques supports internationaux là-dedans, mais gouvernement est pied à terre aux deux frontières. Je vous remercie de vous satisfaire, vous, non. Je vous remercie de vous satisfaire, monsieur le ministre. C'est simplement, professeur Maniga, je vous souhaite tout ça dit là. C'est vrai, accueil là et l'organiser. Structure mettez pour recevoir mon nom. Carrément dans ce temps, faut dans ce temps c'est vrai. Mais on connaît nous pas regarder avec les correspondants nous gars sur terrain si c'est vrai ça dire. Qui t'aime dit ça m'a dit à que là comment c'est organisé mieux. Sous-im si premier ministre satisfait là pour non. D'ailleurs, il était supposé à le visiter déjà et ba instruction tout autant ça pas fait mieux, lui-même il pas parler. Donc ça veut dire que et en pile réunion qu'a fait avec les directions qui font l'agneau, qui devant la scène, Office national migration qui dépend du ministère des Affaires sociales, et direction DGPC qui dépend du ministère intérieur en particulier, pression a fait pour que, et puis direction immigration et immigration tout, pour que bagarre la fête mieux et plus vite. Souvent de moi-même tout si me satisfait, comme nègre frontière tout, m'a dit non, que ma qui doit faire plus vite, plus bien, mais gouvernement présent. Deuxième partie, hein, qui c'est qui posture publique l'État haïtien prend, moi qu'a dit que le gouvernement déposait déjà un projet de résolution qui doit adopter prochainement avec des nuances selon Jean lecture CPA pour que nous connaissions publiquement qui Jean nous positionner par rapport à ce sujet ça qui est effectivement extrêmement critique pour Haïti. Est-ce que nous avons position déjà sur ça? L'en considérer prise de position et gouvernement fait déjà à l'étranger sous dossier République dominicaine. Ministre Affaires étrangères en sa qualité de ministre Affaires étrangères qui participait dans le forum international, et bien justement, en concertation avec le ministre, bail premier point d'opération, qui justement, ministre des Affaires étrangères, tout ça le fait ces derniers temps, lui rappeler des conventions internationales, lui rappeler des accords signés entre deux parties, lui pas annoncer rien qui nouveau. Le ministre des Affaires étrangères pas annoncé aucune nouvelle politique ou nouveau élément de politique étrangère avec la République dominicaine, ils sont rappelés à chaque fois qui sa convention internationale dit, qui sa loi internationale dit en matière de rapatriement, qui j'en nous un accord qui dit qui le ou pas qu'à rapatrier sans manifeste, ou pas qu'à rapatrier en dehors des heures qui prévoient, ou pas qu'à rapatrier en dehors des points formels. Ça, c'est pas un nouvel élément de politique que le ministre a rappelé. Le ministre dit exactement ce qui doit être fait pour respecter les conventions internationales. Quand on a une nouvelle politique, ministre Dupuy, pas prononcé sous ça, l'attendre que CPTA a réagi sous proposition que nous fait sous résolution. Ok. Mais même dans le gouvernement capable dit, est-ce que nous ne pouvons pas mettre d'accord sous résolution avant qu'il y ait des prises de parole qui fait ce dossier? Mais qui te dit, rappelons convention. Rappelons convention internationale. C'est, sinon, pas besoin de ministre des Affaires étrangères.
rappeler sans convention internationale dit, rappeler sans accord qui était signé dit, rappeler agenda de travail commission bilatérale que le ministre des Affaires étrangères a géré avec homologue de la République dominicaine, c'est périmètre d'action gouvernement, c'est périmètre d'action ministre des Affaires étrangères. Maintenant, le ministre des Affaires étrangères n'a pas calé loin. Effectivement, c'est conseil-là qui pour faire sur reste dossier d'expression d'orientation, c'est très clair que le gouvernement attend d'autres instructions. Il va lever les compétences. Qui est le conseil des ministres programmé là? Puisque je connais plusieurs conseils des ministres qui sont de fait et qui pas fait. Il y a de fait 16 octobre qui pas fait. Mercredi d'après, il pas de fait. Et demain mercredi, par contre, si les civils de président CPT a été entré, nous avons date pour un prochain conseil des ministres. Côté que tout le ministre là? Alors, pendant le conseil des ministres n'a pas de fait semaine passée, secrétariat général primature avec secrétariat général de la présidence a travaillé pour préparer l'agenda. Deux équipes s'est réunies jusqu'à toute semaine ça, semaine passée, pour finaliser texte sous OCAGLA, qui c'est organe qui parle fait supervision et contrôle exécutif là. Il y a travaillé sous texte Fonds national sécurité, qui sont grande urgence pour aider le gouvernement à agir plus vite dans la question sécurité. Il y a travaillé sous Conseil national sécurité. Donc, deux secrétariats généraux, il y a travaillé. Travail n'a pas campé. Maintenant, quant à pour convocation formelle Conseil des ministres, nous pas recevoir convocation semaine ça parce que le président en déplacement officiel connu. Donc c'est pas moi qui parle annoncer qui date que l'a venu, c'est pas les nationaux pour annoncer qui date que l'a tourné. Il n'y a pas aucune convocation semaine ça. Ça côté semaine ça son bout de semaine parce que nous connaît que 1er de novembre déjà pour engranger sous agenda. Est-ce que le gouvernement dans façon la page li connaît les contraintes temps pour le résultat. Parce que là, nous avons fait l'année 2024, là, 2025, en principe, tu as supposé une année électorale. Pour janvier, février 2026, il y a un nouveau et de nouveaux élus qui rentrent dans le pouvoir. Est-ce que le gouvernement n'a juste pas gagné contre le temps ça pour le résultat, M. Maninka? Premier élément qui montre que le gouvernement prend compte contre le temps, c'est réunir conditions pour l'élection au fait, créer la sécurité. Budget, la police augmenté, 33%, parce que son gros budget l'est déjà, relativement par rapport au budget national là. Budget l'armée augmenté de 423%, ça monte et recrutement commencé fait. Tout focus à mettre justement pour des moyens qui puis adapter parce que, putain, nous on bagaille. La police a un mandat particulier. La police, métier la police, mandat la police, c'est protéger et servir. Donc la police n'est pas équipée, ni par la loi, ni par mandat le gagner, pour faire bataille, ça qu'il a pleinement, parce que vous avez besoin de l'armée pour lui. Parce que la limite, il y a un autre mandat. Une série d'équipements, d'armes pour que nous avons besoin aujourd'hui, pour affronter ça qu'en face nous, la police n'est pas gagner, même si il y a un corps pour acheter. Ces équipements, je vais prendre quelques exemples. Donc, nous ne pouvons pas dire ça, mais il y a un mon conseil de type de munitions, de armes qu'on a besoin, il n'y a pas besoin de la police, même l'organe, l'argent. C'est l'armée qui a besoin. Parce que l'armée, ce n'est pas pour protéger et servir, l'armée, ce n'est pas pour maintenir l'ordre, l'armée, c'est pour attaquer, c'est pour défendre. C'est deux missions différentes. Si on ne l'armée, on met 100 000 policiers. La police met tout équipement. Gaz lacrymogène, c'est maintien de la paix. Okay. C'est maintien d'ordre. L'armée, c'est l'autre bagaille. Donc, oui. Faut l'armée ou élément dans le dispositif là, il est très clair, c'est pour ça que il y a une disposition qu'on prend, c'est parce que nous connaissons pas grand pile temps, faut l'armée yon dans le composant. Deuxième barrière qui montre aucune tenue, compte de temps en particulier, c'est marché pressé que le gouvernement gagne aujourd'hui pour que mairie ou fait travail. Pour que, avec conseil présidentiel, en conseil des ministres, nous mettons maire côté pas gagne, nous remplacer maire côté maire pas travail. Côté une suspicion sous tête quête maire. Marché pressé gain pour que direction générale yo équipé un nouveau directeur général, nouvelle directrice générale qui est capable de faire travail là. Et ça marché pressé aïe, et c'est ça que je veux dire dans ce sens. Et on comprend que aujourd'hui là, nous conscients du contraint temps, mais est-ce que nous gagnons échéancé de résultats? On dit de tel mois à tel mois, mais ça n'a privé fait, de tel mois, mais ça n'a privé fait, jusqu'à ce que nous bouclions et l'instant qui était là. Et tableau de bord gouvernement et feuille de route. Et moi-même, moi invite, bien que moi-même, moi suis disponible tout, l'autre monde en primature est capable disponible tout, pour venir faire une émission spécialement sur ce sujet ça, c'est rétro-planning,
qui indicateur, qui résultat, qui moi. Et munitions en particulier, c'est aucun champ d'action programmatique, c'est munitions qu'on exactement qui échéancier. Moi-même, t'es ministre d'éducation. Comme ministre d'éducation, ou gagne retour planning, ou un calendrier, ou gagne qui moi pour fonds professeurs, qui moi examen l'État, qui moi pour. Ou gagne rythme actuel que chaque ministère gagne, mais vite. Invité ministre, il y a bon exactement 4 programmatiques avec indicateurs. Ok, nous pouvons le finir, M. Maniga. Une dernière question, très facile, très courte. Puisque nous connaissons l'opinion publique là, situation, relation compliquée entre palais national, bon, je dis palais national, entre CPT avec primature, si vous avez un qualificatif ou à la relation, ça vous a bien. Dernière question pour nous venir. Tout va bien, il y a des frictions, bon qualificatif à la relation pour nous. Non, son apprentissage continue. Son apprentissage continue dans nouvelle expérience, quand on a 9 conseillers présidents. C'est la première fois qu'on a fait expérience ça. C'est la première fois qu'on a 14 ministres, 10. C'est dans la colonne CPT appelée tout. Son apprentissage continue parce que de toute façon, nous sommes dans le même bateau. Nous sommes dans le même bateau. C'est ça que je dis comme dernier. Son apprentissage continue. Et je pense que moi, j'ai été confiant. J'ai été confiant que très prochainement, le Premier ministre pour prendre la parole sous question sécurité. C'est sous ça la travail 24 heures sur 24. Je pense qu'il y a plusieurs bagages pour le bras. 10 populations dans ce sens. Professeur Simoniga, merci. Oui. Bonne journée. Alors, quittez-nous un dernier mot. Je ne vais pas quitter l'occasion, ça ne me pas dire parce que nous attachons pas à tout. Dis-moi. Moi, ça, c'est moi, langue à culture créole. Oui. Nous faisons créole, nous réconcilions créole. Moi, ça, je me toujours dit, promotion langue, ça, c'est ce qui permet de nous unir pays. Promotion langue, ça, c'est patrimoine. Je ne vais pas quitter l'occasion, ça passe. Pendant le dernier jour, moi, avec langue culture créole, là, je me salue tout patriote. Québec combat ça, flamme ça, m'a parlé de l'Académie créole, de créolistes en particulier, de tout le monde qui est dans le secteur culturel, secteur intellectuel, penseur, critique, tout le reste, pour le Québec flambeau ça, parce que c'est auto-réparation culturelle, nous ça. On a demandé des réparations, eh bien, c'est une première réparation ça, nous pas demandé des permissions, nous tout baille tête nous lit. Et ça nous devait dire. Merci. Merci beaucoup, professeur Maniga. Il y a encore une regarder plusieurs points, notamment la situation actuellement là. Et nous prenons le garde tout le fonctionnement du gouvernement et relation avec CPT, pendant que CPT a, et CPT lui-même, l'inonger doit être 17 longueurs sous la situation est là. Pour le CPT, c'est comme quand le gouvernement n'imprime pas. C'est-à-dire c'est nous-mêmes qui baillons, c'est le gouvernement qui baille responsable de la situation. Ça. Nous parlons ça ensemble avec vous. Mais, moi, Vimando, qui est un gouvernement dans le moment où on a parlé là? Bon. Oh. D'abord, merci pour l'opportunité que vous avez justement au gouvernement et puis moi-même comme directeur cabinet Premier ministre, Dr. Gary Conille, pour nous capables de faire le point sous conjoncture-là, parce que ça fait partie de responsabilité, rendre compte, ça fait partie de responsabilité, transparence, et c'est normal pour de temps en temps, le gouvernement vient expliquer qui côté il y a une feuille de route gouvernement. Son gouvernement qui montait dans le mois de juin 2024, ça a parlé de 4 mois. Son gouvernement qui a 14 ministres là-dedans, son gouvernement que Premier ministre avec CPTA, non souci de ne pas perdre du temps, t'es monté pratiquement dans moins que 1 semaine. Et c'est comme ça, Premier ministre, j'ai décidé pour ne pas perdre du temps, parce que la situation, c'est une crise nouillée, parce que vraie crise là, selon Premier ministre, c'est attaquer le dossier sécurité, résoudre le problème sécurité. Vraie crise là, c'est résoudre crise humanitaire là. Question gouvernance là, sont questions qu'il a en support, mais c'est pas lui le problème là. Donc c'est pour ça qu'on ne perd du temps. Il a accepté que secteur, nos esprits de collaboration, sur 14 ministres qu'il a nous dit, tu vas 10 ministres. Et c'est à cause ça qui est inspiré du texte à 4 avril là, qui fait gouvernement gagner 4 mois depuis la fonctionner. Et nos esprits de collaboration tout, pour nous capables de dire, gouvernement, avec CPTA, mettait en place 2 budgets. Un budget rectificatif, qui était pratiquement fait très bon, qui était 3 mois pour l'exercice fiscal là fini. Et dès mois juillet, gouvernement, qui était en bas chaque ministre en feuille de route. Mais août, un budget rectificatif était disponible, il faut un conseil des ministres. Même là, malheureusement, ministre, c'est 1 mois où il était en pour exécuter feuille de route ça. Fiscalement parlant, donc nous allons parler de mois septembre. Et puis, rapidement, Premier ministre, ministre, avec
CPTA, ils mettaient d'accord sous budget exercice 2024-2025 là, qui t'a gagné la donne expression que feuille de route a gagné, instruction que le premier ministre a débattu pour que priorité, c'est sécurité, budget de l'armée va augmenter de plus de 400%, budget ministère justice, budget sécurité va augmenter globalement tout de plus de 33%, et puis l'autre secteur humanitaire qui a pris crise sociale va augmenter tout, en particulier, l'on va regarder, qui vient, ministère et ministère éducation, ils sont gros morceaux, l'autre ministère qui a charrié question qui vient pour avec crise là, agriculture, on a parlé de ni ça qui pour avec travaux publics, ni ça qui pour avec en valeur absolue par rapport à côté hôté, par rapport à ça hôté exécuté dans 23-24 là, ou pas l'augmenter en 24-25. Donc, ça parle d'une très important pour nous considérer ça, naturellement. Et ça, c'est progrès. En plus, il faut regarder ça qui est difficile, mais il faut regarder ça qui fait. En ça qui fait, il y a deux budgets votés, deux budgets en exécution, même si, il faut nous dire tout, ministre, c'est deux graines de mois seulement au gain depuis, avec exécuté financièrement, fiscalement, au mois pour le budget rectificatif là, et au mois pour ce début de l'exercice. C'est là le gouvernement y est. Feuille de route très clair sur cinq chantiers de transition qui sont dans l'accord là. C'est sécurité, 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 qui c'est le premier bagage. Et la priorité gouvernement, d'ailleurs, ouais, que le premier ministre a avancé plusieurs fois, c'est commencer avec le recrutement de jeunes femmes, jeunes garçons dans la police, dans l'armée. Le recrutement pour non seulement qui peut commencer à passer d'exercice ça, de 10 000 jeunes tout, dans le secteur qui est plus porteur de l'autre partie résilience pays, qui c'est éducation, qui c'est santé, ainsi de suite. Et puis c'est mettre en place le programme social là, à travers le ministère des Affaires sociales, qui a un gros projet de subvention, qui est là dans comme secteur qui bénéficie de l'égrement, qui a un ministère de l'Éducation nationale, de la voie publique, avec environnement, qui a géré dossier qui est pour avec assainissement. C'est là nous aujourd'hui, hein, et tout effort gouvernement, c'est sous sécurité à que lié en particulier. Ok. Nous donnons où, où clairement souligner que ces 14 ministres qui en poste, et ce 14 ministres, 10 sautent dans le conseil présidentiel là. Mais je vais parler à là, M. Maniga, mon patron, c'est chef cabinet premier ministre. Je vais parler à là, pour prendre tout, gouvernement fait tout ça, le dégayer humainement pour le défaire, l'IFEO. Mais, constat, c'est que, bah, elle a bloqué quelque part. Qui compte le bloquer là? Qui fait qu'il y a beaucoup de résultats, yo? 4 mois après, gouvernement. Bon. M'a rappelé. Et ça que le premier ministre dit souvent, Dr. Gary Conille, l'idée avant de venir, la crise là était totalement sous-évaluée, sous-estimée en grande partie par les acteurs haïtiens en place et par la communauté internationale. Crise là était tellement sous-estimée, sous-évaluée par la communauté internationale là, par les acteurs haïtiens, d'ailleurs, ouais, avec un pile pudeur, nous parlons de force internationale qui vient d'elle. Nous avons préféré choisir nos missions pour nous en mission d'appui à la police. L'armée n'a pas fait partie de la donne parce que nous n'avons pas réalisé jusqu'à qui point effectivement, profondeur crise là, que ce soit par non seulement force de frappe, force de feu, que nous avons semé les troubles, nous avons parlé de bandits en particulier, mais non seulement par quel niveau ressources, quel niveau l'argent qui a besoin pour supporter. Même mission la paix ça, même mission qui est venue pour supporter la police ça. Je tiens, avec le premier ministre qui est allé dans plusieurs contrats internationaux, à Washington, à New York, au Kenya, rencontrant pile acteurs pour expliquer que crise ça, il était sous-estimé, crise ça, il était mal évalué. D'ailleurs, ouais, je tiens, avec qui empressement, la communauté internationale là, a réalisé ça, qui fait que le peut même aller commencer à faire plaidoyer pour une mission de maintien de la paix des Nations Unies. Bien sûr, qui pas même ça n'est guerre, qui évolue, en façon pour nous capable de gagner l'autre type d'équipement, l'autre type de force qui accompagne le ça. Nous ne pouvons pas uniquement parler de mission comme telle, avec des possibilités de ça, où l'État membre est capable de mettre plus de moyens, plus d'argent, et puis moyen tout, moyen, nous avons dit, sa mission, tout qui permet de le plus vite. Donc ça, c'est pour partie qui fait que dans 4 mois, ça y est, sous évaluation, sous estimation de crise, ça, avant pour ministre de venir, que la PC rectifie à travers toute intervention la fait au niveau international, tout voyage la fait au niveau international, on a le plus vite. Mais ceci dit, 4 mois, ça, pour la population, c'est 4 ans. Parce que c'est passant pile temps à souffrir, et seule sa population peut j'attendre aujourd'hui. Hein. C'est pas qui crise qui vient de CPT avec primature, parce que, quand pile fois, c'est crise au passant, il y a dit,
crise là, c'est une crise ni humainement ni par humainement, crise là, c'est une sécurité pour la population. Ce n'est pas ça qui intéresse la population. La population a besoin, je vous dis, moi-même, qui agit en tant que porte-parole pour les ministres, porte-parole gouvernement, en ma qualité de chef de cabinet. Ça, que je veux entendre, c'est qui joue qui l'a pour faire au-dessus. Qui joue qui l'a dans le nord, qui joue qui l'a dans le la caille. Si nous n'avons pas de réponse à ça, tout le monde n'est pas intéressé, nous sommes d'accord avec vous. Comme citoyen, vous avez demandé plus toujours. Et nous comprenons que vous êtes exigeant. Nous comprenons que l'émission, ce n'est pas ça qui intéresse. Il y a plein de jours, il y a plein de l'heure pour tourner la caille. Mais, malheureusement, 4 mois, qui s'en 4 ans, c'est 4 mois pour monter au gouvernement, même les affaires très rapidement, 4 mois pour faire budget, 4 mois pour bailler moyen, 4 mois pour commencer à changer stratégie pour que les plus adapté à la conjoncture. Situation pays a été sous-évaluée, sous-estimée, c'est ce que je dis là. Maintenant, nous faisons une nouvelle évaluation. Et je suppose que nous portons les équipes de droit dans la communauté internationale là. Et puisque si nous comprenons bien, réponse à là, qui fait que le gouvernement pour qu'on a imprimé et après 4 mois que nous avons dirigé, c'est parce que ça nous dépensait, c'est parce que ça nous joint en termes de problèmes de sécurité et problèmes économiques. Qu'on a nous fait évaluation, nous connaissons la réalité là. Nous bailli qui est nous bailli nouvelle évaluation ça et qui promet ce qui fait là à gouvernement pour que une réponse qui bail à nouvelle évaluation ça nous fait des réalités pays. M'a dit deux bagages. Premier ça pas attendre évaluation pour l'agir. Premier ça pas attendre mission éventuellement s'il a changé parce que le président Voltaire menté ça formellement à la communauté internationale là pour transformer ça en l'autre type de mission. Mais premier ça pas attendre. Et le bail tout ministre d'instruction, c'est pas parce que nous pouvons joindre tout moyen, d'ailleurs, ou capable, combien ça fait déjà, avant qu'ils soient évaluation, c'est propre évaluation pas nous, qui fait que nous avons l'autre forme budget, qui fait qu'on ait une augmentation dans différents secteurs clés, justice, qui gagne la donne, sécurité publique, la police, l'armée, qui vient d'où il y a plus moyen humain, et ce sont les cas faits là, qui commençaient déjà. Nous partons, il y a beaucoup de monde qui commençait déjà, il y a une disposition qui prend déjà pour que le ministère ait plus de moyens financiers dans le meilleur. Naturellement, il y a un autre problème qui était pour résoudre. Nous n'avons pas tant d'évaluation ça. Le gouvernement a commencé à agir dans ce sens. Maintenant, l'homme dit agir, la population va dire pas ouais, en pile bail, qu'il a fait à terre. Je dis, c'est très clair. Par exemple, ça que tu as annoncé pour entrer à l'école là, en pile parent a commencé à se joindre déjà et nous capables d'interviewer. Ministre de l'Éducation nationale, là, parle de exactement qui quantité par an commence à jouer ça déjà. L'un a parlé avec le ministre des Affaires sociales, là, a vu exactement combien d'activités qu'a fait concrètement sur le terrain. Naturellement, lors d'une situation de désastre humanitaire, ça qu'a fait là, la parle prend pile temps pour le visible. Parce que c'est pas parce que 10, 15, 20, 30, 40 par an recevoir, c'est pas parce que quelques communautés commencent à recevoir soutien qu'on va après visiblement ça, parce qu'en réalité, on peut retourner à la caillou. En réalité, quand il y a un peu de déplacer qui toujours été dans la même place, parce que la situation, ça y est, et c'est capable de dire que chaque jour, chaque fois qu'il y a moyen en Conseil des ministres, le Premier ministre, Dr. Gary Conné, a dit qu'il voulait la situation à la plus vite. Il vient, et c'est dans le mécanisme, 4 mois, qu'on a essayé de faire ça que vous avez fait. Sous cette situation sécuritaire, la police a fait face et l'armée à une situation que c'est peut-être pour une fois faire face à lui. C'est 5 ou 6 fois en même temps qu'il a résisté pour aller pour bagarre la pas plus grave. Que ce soit situation propre au prince, que ce soit sac à privé dans la Tibonite, que ce soit sac à privé Grissier, sac à privé Quadabouquet, sac à privé dans la zone Solinois, c'est plusieurs fois en même temps que la police a résisté pour que situation tombe en attendant qu'il y ait plus moyens qui étaient déployés, c'est l'année. Et en pile, moi-même, je suis capable de dire, moi, j'ai une chance de rencontrer un pile héroïne. Chaque fois, je regarde dans quelles conditions policiers ont mouru. Songez, 3 policiers UTAG, qui malheureusement ont disparu, qui ont perdu la vie. Pour une soeur, être en contact avec veuve, et on qui a accouché l'autre jour. C'est des situations humaines que pendant, moi, comprendre que nous manquons, ouais, ça nous est, un pile héros qui a boumé. C'est pas facile, je pense. Donc, c'est là, aujourd'hui, et je pense que. Gain plus parler avec l'émission pour expliquer exactement côté oui. 4 mois après, je suppose que nous parlons d'évaluation encore, et évaluation est supposée finie, et pour nous agir, et on souhaite reconnaître que la population, on dit que nous n'avons pas agi, mais la population parle, et c'est en réalité, la population attend toujours. Maintenant, des articulations qui gagnent entre gouvernement avec conseil présidentiel là, c'est l'imbra d'aborder ensemble avec vous là.
Quand que on a l'impression que chacun fait affaire par eux, sous bon par eux. Et non matin, le premier ministre a rencontré l'état-major l'armée. Après ça, moi, c'est passé 24 heures après, CPT a rencontré même l'armée. Ça, on a l'impression que c'est deux pouvoirs qui n'ont seul pays. Chaque là a un agenda parole, chaque là fait bagarre pas. Par contre, synergie entre deux pouvoirs. Est-ce que nous avons dit ça a contribué tout à manque de résultats? Nous avons assisté là, bon côté pouvoir exécutif là, comme base du gouvernement en particulier? Je ne suis pas dramatique une situation comme ça. Du tout. Si aujourd'hui on désime gouvernement avec CPT, pas de cas budget rectificatif, nous sommes d'accord avant. Si on désime gouvernement avec CPT, pas de cas budget, que mettez-vous d'accord pour que toutes 14 ministres jouent le moyen, 10 ministres qui sont dans le secteur, plus 4 ministres qui sont dans le périmètre direct, que pour nous, ça a été choisi, de proposer, pas choisi, non, de proposer. On a dit oui, le ça nous bloqué. Le ministre avec CPT, d'autres, ils ont fait deux budgets dans 4 mois, ils ont mis en place un conseil électoral provisoire, bien sûr, qui manquait deux membres qui méritaient avancer, ils ont mis en place et on confère et comité pilotage pour conférence nationale là qui c'est seulement le gouvernement gagné là c'est faire élection en même temps monsieur Maniga au ministre pendant plusieurs fois on connaît très bien élaboration en budget c'est pas ça qui a résoudre la crise on capable toujours le budget et toujours le budget et toujours ça que ça passé attendez-moi c'est pas ça qui résout la crise là budget c'est expression moi on besoin après ça qui plan d'action c'est pas ça me dit mais si derrière impossibilité de collaboration, nous pas d'avoir budget, nous pas d'avoir aujourd'hui un conseil des ministres de pour faire ça, ils ont demandé de faire, ils ont fait élection au premier jet du conseil électoral là, comité pilotage a mis en place, c'est mandat ça nous gagne. Et là, on a avancé. Maintenant, si on dit que dans pile où il y a circulé, dans pile parole qui a dit, sous impossibilité de collaboration, moi-même, je suis capable de dire, pas aussi dramatique que ça qui a parlé. Et normalement, nos conseils, exceptionnel, où il y a 9 conseillers, où il y a un gouvernement qui choisit, donc, je me rappelle, chiffre là, 10 ministres sur 14, c'est avec secteur, eh bien, c'est 4 mois de mise en place, oui. Donc, façon qu'on travaille. C'est comme ça, je me souhaite. C'est pas que nous dramatisons la situation, relation entre exécutif là avec le gouvernement, non, mais il y a des genoux, nous parlons avec des proches premiers ministres. Nous parler avec des membres CPTA qui expliquaient nous conflits qui y a entre deux groupes. C'est depuis juillet, oui, avec le voyage pour le ministre de Washington, où il y a un gros problème entre primature avec CPT. Et ça va accentuer avec 79e Assemblée Générale des Nations Unies, côté que pouvoir CPTA estime que il y a humilié, il y a boycotté, et nous dit ouais, ça qui passe avec Leslie Voltaire. Et dans la réunion qui t'a fait avec le président brésilien et premier ministre, ils ont empêché, ils ont interdit l'accès pour l'entrer dans un compte malgré les pas invité et d'y annoncer que t'es qui va le couper. Depuis là, ça, nous voyons que les relations sont très tendues entre Primature et CPT. Ça nous est pas allié, M. Maniga? Moi, pas répondre à une question, ça, mais c'est dommage, José, hein, que je refocus la parité sur sécurité, hein, parce que je garantis que tout le temps, premier ministre avec gouvernement, c'est sous chantier ça, chantier sécurité, ça n'est pour nous faire pour conférence pilotage de la marché, pour élection faite, c'est ça qui intéresse la population. Si je veux ça, en même temps, on n'est pas capable d'avancer sur vrai chantier, on va évoquer là, lorsque même communauté internationale reconnaît ça, nous mettons de côté intérêt collectif là et nous prioriser intérêt personnel. On n'est pas capable d'avancer lorsque entre deux pouvoirs, il y a une instabilité entre deux pouvoirs, professeur Maniga, on comprend ça très bien. Mais justement, ces questions ça que m'a répondu. Moi, je trouve c'est dommage que ces questions ça que m'oblige de répondre matin, hein? Mais en particulier parce que, un, m'a dit, bon côté dramatisé. Deux, sous ça qui est évident, et en parler très clair, on se dit peut-être pas le tomber, donc ça veut dire remaniement en particulier, ou quoi que pour le ministre, bah, réponse clairement déjà. Et on nous fait deux points fondamentaux. Premier point qui est fondamental, là, je voudrais rappeler déjà. Sous dire que gouvernement, si n'a fait bilan, 4 mois, ministre exécuté 2 mois exercice financier. Sur 4 mois. Donc, lors mon premier aspect, ça, quel que soit cas de figure, on garde qui rapport et qui bilan capable de faire, je veux dire, dans la condition ça, pour dire qu'on ministre, l'hyperformant ou l'hyperperformant en 2 mois. Exercice
d'action d'exercice financier sur les deux mois. Ceci dit, ce n'est pas moi-même comme chef cabinet qui a pris une décision. La décision ça appartenu chacun en ce qui les concerne au Conseil des ministres. On m'a parlé de, en particulier, CPTR, Conseil présidentiel, avec Premier ministre, c'est une prérogative pour signer arrêté pour remplacer le ministre. Ce n'est pas moi-même qui a fait opinion par sur ça. Mais sur les faits, les ministres ont exécuté deux mois d'exercice et c'est périmètre action de ça. Personnellement, je ne recevoir notre bureau Premier ministre aucun rapport qui évaluait de manière claire, avec nombre pour évaluer, y compris à chaque mécanisme que OCAG la prévoit, qui c'est eux-mêmes qui l'a capable de superviser l'action exécutive et faire des recommandations. Il n'y a pas aucune documentation, rapport sous exécution, feuille de route au ministre. Et même dans le contexte qui est au Parlement, côté Premier ministre, de façon déclaration de politique générale, côté Parlement, après 6 mois, capable d'inviter au ministre Vintendel, s'il n'est pas satisfait, convoquer le ministre, s'il n'est pas satisfait, interpeller avec un motif d'interpellation qui est basé sur un texte, sous qui vient au ministre en dehors de l'exécution de feuille de route, nous ne pouvons pas parler de ça du tout. Nous, dans le contexte, matière politique. Et dans matière politique, le Premier ministre a une semaine que lui écrit CPTA, lui dit très clairement, je vais reprendre ça qui était dit dans le texte, là, si d'aventure, je veux dire, CPTA font l'autre estimation, ils changent l'idée sur le fait que le ministère qui doublait, qui fusionnait, ce n'est pas une bonne idée, disposé pour discuter de ça. Donc, on pense que ça clair dans l'interprétation du gouvernement, ça clair dans l'interprétation du Premier ministre, pour manier son bagage normal, son bagage naturel pour capable de mettre un gouvernement à flot. C'est nos systèmes d'équilibre, c'est entropie, qui permet un mécanisme pour permettre au gouvernement de faire toute négociation possible pour que nous avancions sur le chantier qui est plus important. Et puis, nous avons dit ça très clairement. Sauf que ça, c'est pas ça, c'est pété à rappeler, non, comme remaniement. C'est moi-même qui peux interpréter, je ne parle ni titre ni qualité. Je pense que le ministre. Bonne information sur pas connaît. CPTA a besoin changer et ministère qui doublé par exemple après ministère intérieur qui est premier ministre en tête li, il besoin mettre un ministre pour contenir un ministère intérieur collectivité territoriale, planification qui est ministre économie là dans ni besoin mettre un ministre pour contenir dans planification et affaires étrangères qui a géré tout Mavé, il besoin changer et affaires étrangères et mettre un ministre dans Mavé, il besoin tout mettre un ministre dans justice et sécurité publique, il besoin mettre tout qui va doubler, il besoin mettre tout il besoin changer tout ministre à défense là. C'est ça même CPTA et dit nous. C'est pas simplement changer ministre qui doublé mais c'est faire un remaniement sur au moins 7 ministères. Est-ce que pour le ministre d'accord avec projection de remaniement ça? Je pense que le Premier ministre a une réunion hebdomadaire qu'il a gagné avec CPO. Bon, finalement, ce que je dis là, m'a décrit très bien. Donc, sous 18 ministères, donc ça veut dire que 18 ministres, ce n'est pas le Premier ministre qui a gagné une possibilité pour que les choisissent. Un ministre, donc tous 18 ministres, c'est ça, m'attendre au dim là, c'est pour aller totalement conseil présidentiel. Je ne vais pas opiner sur ça, mais juste noter ça. Donc, 18 ministres. C'est ça, je dis tout. Je ne vais pas opiner sur lui. Mais je fais exercice mathématique sur lui. Parce que je dis 10 sous 14 déjà dans la colonne CPA, c'est ce que tu choisis de proposer. En même temps, on dit tout. Toute direction générale, 10 ministères, c'est le conseil présidentiel qui propose. Donc, pour le ministre, tu es favorable.